Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très formidable. Les amis, on se retrouve pour le premier épisode de la série présentation de des factions sur Co-Faction dans le fond. C'est un peu chelou comme titre, mais oui, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais ça va être des bases tours en gros. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Ekred et Blackbird. Comment vas-tu, Ekred? Ça va, tout va bien, mon frère. Ekred, qui est le chef de la faction Burger King. Il est en... Ouais, t'es chef, right? Ouais, t'es chef. Tu es le chef, donc il va nous présenter un peu sa faction aujourd'hui. Au passage, que j'ai trouvé très joli. Donc, on va t'écouter un peu vite fait, voir si vous recrutez et si vous avez d'autres bases ou si votre seule base, un peu l'histoire de votre faction, un peu tout ce qui s'est passé depuis le début du serveur avec votre faction. Est-ce que vous étiez à la V1 du serveur? J'ai pas été là pendant beaucoup de temps, mais j'étais là. Ok, Blackbird il a cru que je le voyais pas, tu vois. Bon, en gros, est-ce que vous recrutez? Non, on ne recrute plus cause d'une trahison. Ok, ok. Et les autres informations à savoir, est-ce que c'est la seule base pour tous les membres de la fac ou vous avez chacun vos hommes perso, une farm ou quelque chose comme ça? Non, on a chacun nos hommes perso, mais je le partage avec des amis qui sont dans la faction. Donc ici, c'est ton homme perso à toi, on est d'accord? Voilà, c'est ça. Ok, bon, on va commencer ici. Tu peux nous dire un peu vite fait qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est des machines... Ah ouais, des machines à heal. Ouais, ça c'est putain d'intéressant. Vous n'avez pas acheté vos heals au spawn, donc techniquement vous sauvez pas mal de thunes. Et même chose pour les speeds, vous n'avez pas les acheter, donc vous sauvez max de thunes. Les machines sont full automatique ou pas? Ouais, c'est moi qui les ai fait hier. Full automatique. Toujours aussi bon en redstone, le petit écred. ici vous avez la salle des coffres. Ok, ouais. Est-ce que vous êtes riche? Non, on est pas très riche. C'est votre riche, montre tes trucs riches. Kit VIP. Ouais, j'ai des P4 dans les PV, etc. Mais à part ça... Oh là 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 là. Bande de Kikou. Oh là 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 là. Ouais, il y a un inconnu. Donc, salut à toi. Putain, on peut le tuer. On le tue. Non, c'est un ami. Je rigole, il va me tuer. Bon, ensuite ici, vous avez la farm. Les farms, plutôt. Donc, il y a la weed, les joints ici sur le côté en rentrant. Ça, c'est quand même pas cool que ça soit trop près. Oh mon dieu, vous en avez des weed ici, là, mon pote. Oh là là. Vous avez ici, les trucs à faire cuire. Des genres de fours automatiques, right? Ouais, c'est... Et automatique. Ou semi-automatique. Ouais, c'est notre décorateur professionnel qui... Vous avez de la weed ici? Et le PNJ, c'est le PNJ qui la récolte ou pas? Non, c'est juste nos PNJ qui se sont barrés, genre. Ah, ok. Parce que je sais que je crois qu'avec les PNJ carottes, tu peux faire ça, right, des carottes? Genre, ouais, le PNJ peut les récupérer et tout. Ici, il y a les melons. Oups, j'ai cassé les melons comme un con. Et vous avez... Vous avez des verrues du Nether ici, donc c'est quand même pas si mal, hein. Quand on y réfléchit, c'est quand même pas pire. Et vous avez des champs de canne à sucre. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me présenter aujourd'hui, mon copain? Je la trouve vraiment belle, votre base. Moi, je trouve qu'elle est bien, genre, les finitions et tout. Bon, j'aime pas trop les têtes qu'il y a là, mais ça reste que, regardez, ici, c'est bien, tout bien fait avec les escaliers. En gros, il y a du retail, du détail, et j'aime bien. Toi, t'es casse-couille, Blackbird. Non, putain. Ah, j'ai oublié de présenter ici. J'ai oublié de vous présenter ici. Il y a, en gros, des spawners, right? Il y en a combien? Une dizaine, je crois. Disponible, on va aller voir après au-dessus. Ici, vous avez table d'enchantement niveau 30. Ouais. Et vous avez... Ah ouais, vous avez une enclume là. Ouais, moi j'aime bien aussi cette salle-là. Elle est vraiment bien faite. Je sais pas qui l'a fait, mais gros props à toi, mec. Fait faire la dédicace à UpsVP, c'est notre décorateur qui a fait entièrement la base. Bah, on l'a aidé à creuser, etc. Mais c'est lui qui a fait toute la déco. Ah ouais, il y a même d'autres trucs sur le côté ici. Ouais. Mais c'est bloqué, on pouvait pas y aller, quoi. Ouais, non, c'est le truc à PNJ, on va le bientôt faire... Enfin, il est en train, je crois... Ah, il a bien vraiment bien géré la déco, hein. Bon, ouais. Tu peux prendre une boussole pour passer, Black, si tu veux. Attends, t'es OP, Black, ou pas? Non. Tiens, Black. En gros, ouais, il y a ça ici. On va juste aller voir le nombre de spawners qui est en haut. Donc, vous avez... 1, 2, 3... Vous avez des blazes? Comment les blazes font pour descendre? C'est leur truc, je sais pas. Non, j'ai trouvé un autre chef quand même. 8 et vous avez deux trucs à blaze. Pas mal. Et vous avez ici le truc pour descendre et monter du anti-FK. Et normalement, ici c'est ouvert, non? Ici? Ouais, normalement c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert normalement, mais là on est en construction. Ok, Dookie. Je vais mettre des blocs comme j'avais mis. Pardon.
Voilà. Ça, comme ça. Et puis voilà. Donc, c'est une super belle base, mon petit Cred. Je suis très content pour Merci. toi. Et j'aimerais savoir si tu veux faire des dédicaces à quelqu'un ou à une personne, ta copine ou quoi que ce soit qui écouterait peut-être cette vidéo-là. Ou si tu veux passer une annonce, genre t'échanges quelque chose, un avant-poste, quelque chose. Bref, je te donne une minute de gloire. À toi. Ok, le gars il dit plus rien, le bâtard. Il m'a foutu en vent. Ok, j'apprécie pas. Ah, il peut plus parler. Donc, en gros, comme il a dit ici, dédié à toute la fac, je peux plus parler. Donc, un gros dédié à toi et Cred. Un gros merci d'avoir participé à ce premier épisode que j'espère qu'il va vous faire plaisir, les amis. J'ai envie de te tuer. Je suis un gros sadique, donc je vais te brûler. Voilà. Donc, je te brûle à mort. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis. C'était Icon. Laissez un pouce bleu. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Bisous!